Bonjour à vous et bienvenue sur le blog Devenir végétarien en 90 jours. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette. On va faire un cétin bourguignon. C'est une recette simple à faire et bluffante. Donc, je vous dis tout de suite pour la recette. Pour cette recette du cétin bourguignon, pour 4 personnes, vous avez besoin de 30 ml d'huile d'olive, 400 g de carottes, 1 oignon, 500 g de pommes de terre, 200 g de champignons de Paris, 2 gousses d'ail, 50 cl de vin rouge, 50 cl de bouillon de légumes, 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym, 400 g de seitan coupé en morceaux. Je vous invite à faire pause sur la vidéo ou regarder en bas de la description pour voir les ingrédients. Je vais commencer par préparer les ingrédients. Et couper les carottes en fines rondelles. Par la suite, je vais préparer l'oignon. Donc, j'ai déjà coupé pelé l'oignon, pardon. Et je vais le couper maintenant en petits morceaux. Les troisième ingrédients sont les pommes de terre. Je les ai déjà pelées et je vais les couper en petits morceaux. Quatrième ingrédient, ce sont les champignons. Je vais le couper en petits morceaux. Pas trop petits, s'ils sont très grands, ça peut être coupé en 8. Sinon, c'est coupé en 4. Maintenant, je passe à l'ail. Donc, j'ai déjà pelé l'ail et maintenant, je vais le émincer. Dans une casserole, je vais faire sauter les légumes que j'ai préparés au préalable. Donc les carottes, les pommes de terre, les champignons, l'ail et les oignons pendant 5 minutes. Pendant que les légumes sont encore en train de cuire un petit peu pendant 5 minutes, je vais préparer le cétin et je vais le couper en morceaux, en petits morceaux. Pour après les ajouter. Voilà, le cétin, c'est fait à base de gluten, c'est du gluten pur, donc il n'est pas adapté aux personnes intolérantes au gluten. Je n'avais pas de bouillon de légumes, j'ai acheté Magie, j'ai mis 2 cubes de bouillon de légumes avec 50 centilitres d'eau, donc je vais y ajouter. J'ajoute également 50 cl de vin rouge. J'ajoute également quelques branches de thym et quelques feuilles, 3 feuilles à peu près de laurier. Je mélange bien et je laisse cuire pendant 1 heure. Je voulais vous dire que le cétin, on va le mettre après. Donc on va le cuisiner avant. Avant 10 minutes que ça soit prêt, donc dans 50 minutes, on va frire le cétin et après on va l'ajouter à la fin, à la préparation, quelques minutes. Les légumes, ils sont en train de cuire, de terminer la cuisson et je vais griller le cétin dans un poêle avec de l'huile d'olive. Donc je vais griller le cétin à peu près 10 minutes. Le mieux que je peux de deux côtés. Et après, je vais les ajouter ici aux légumes. Donc, il me manque 10 minutes pour terminer la cuisson des légumes. Et je vais ajouter le cétin que j'ai fait frire auparavant. Voilà, la recette est prête. Donc, le bourguignon au cétin. C'est très facile à faire, mais ça prend un petit peu de temps. Ça m'a pris 1h20 pour bien cuire les aliments. Donc, ce qui prend plus de temps, c'est de cuire les légumes. Donc, dites-moi si vous avez essayé, si vous avez aimé et si vous avez des suggestions en bas, en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur le blog Devenir végétarien en 90 jours.